Bonjour à tous, donc voilà, comme convenu, c'est bon, c'est l'heure, c'est le jour d'envoyer break. Donc ben on va attaquer directement par la première boîte. Donc je pense qu'on va passer vite sur les classiques, sur les communes, pour une raison très simple, c'est que vous les avez déjà vues dans le break de test, ça va être exactement les mêmes cartes. D'ailleurs, ça sera l'occasion, après le visionnage de ces vidéos, de voir qu'on s'entende un peu ensemble, si vous voulez, chacun veut ses doubles, ou si vous souhaitez qu'on se les, que je vous fasse un peu un mix dans les cartes, avec les doubles de chacun. Et on va s'attarder plus sur les séries, les cartes un peu plus spéciales. Donc bon, classique, la liste, habituelle. Allez, on attaque. Bon, on va les prendre dans l'ordre pour l'instant, les paquets. Allez, premier paquet. Donc, une Jeff Green, une Jamal Crawford, je vais me rapprocher un petit peu, une Karbatic, d'entrée, Clippers, double-double, Blake Griffin, c'est une jolie carte, ensuite, une Kirk Henrich, une Bill Watson, une Scola et une Darren Collison, pour Gilbray, je vais la montrer un petit peu, toujours sympa, Darren Collison, Mayo Pacers. Allez, on passe au paquet suivant. Pour l'instant, c'est des paquets plutôt fins, donc je pense pas qu'il y ait de la membership. On va essayer d'aller chercher de la signature. Alors, une Paul Pierce. Voilà. Une Marco Bellinelli. Une Devin Harris. Une Denver classique. David Thompson. Danny Sell. Je la montre de près. C'est la numéro combien celle-là sur les combos? C'est la numéro 10. Sur les combos, nous avons. Alors, si on peut regarder, elles sont toutes notées à l'intérieur. Donc, sur les combos, il y en a. Ben, il y en a 10. C'est bien ça. Donc, on est sur la dernière, celle qui est là. Sachant que ça serait sympa d'aller choper la 9e et la 5 avec Jerry West et Gal Goodridge. Elton Brown, Eric Gordon, pardon, j'ai bugué, Andrew Bogut et Russell Westbrook. Alors on va mettre quand même, on va le faire comme la dernière fois. On va se les mettre de côté. J'ai bugué. Donc je pense qu'on fera comme la dernière fois. En fait, si je vois qu'au final, sur les cartes un peu spéciales, il n'y a pas des cartes pour tout le monde, ou il y a trop d'équipes qui tombent, qui sont des cartes que personne, qu'aucune équipe prise, on verra, on s'entendra, j'en ai d'autres de côté, on pourra voir comment on peut faire. On trouvera forcément une solution. Ensuite, allez, Manu, Almanu, Brook Lopez, Chris Kaman, une Pistons, Sterico White, rookie. Numéro 176 avec la notation. Donc en fait, vous voyez bien sur les annotations, ce qui est sympa, c'est que j'en ai une que j'ai en double. Et en fait, quand vous voyez, c'est pas le même numéro. Et la signature, des fois, elle n'est pas exactement pareille. Elle est très sympa. Les pistons. Les pistons, c'est pour personne pour l'instant. Donc pour l'instant, trois cartes sympas qui tombent et aucune équipe choisie. Bon, ça va changer, il reste encore des paquets. Hein. Et après les classiques, avec une petite Lamarcus. Je regarde si c'est des cartes. Non. Pas de cartes numérotées. Bon, ça va arriver. Allez, on enchaîne. Une Vince. René Stockier. Carmelo Anthony. Et allez, la première légende qui tombe pour enfin quelqu'un qui l'a. Donc on est sur les Knicks. C'est Chaga qui l'a. Charles D. Smith, légende numéro 322 sur 999, 133. Ah, très sympa. Carmelo ensuite. Forcément, elle y est dans la série une Kobe. Ah, j'espère que les Kobe, il va y en avoir plusieurs quand même. Il ne va pas que ça tombe un peu. Sachant qu'il y en a deux qui sont très recherchés, surtout celle de la membership. On va voir. Allez, on enchaîne. Paquet plus épais. Donc, voilà. C'est juste une feinte. C'est la séparation, c'est la protection.
Alors, Kevin Love, Dwayne Wade, classique, Kevin Garnett, DeMar DeRozan, Paul Gasol, Aaron Afalo et André Black. Alors, maintenant, c'est une fin dans cela, il n'y a pas de spécifique. Bon, ok. Allez, on ouvre un nouveau paquet. Alors, Chris Bosh, classique, pareil. Les trois cartes chez. Je crois que chez Miami, il y en a. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Oui, il y a Eric Dampierre, LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh. Des Amar'e Stoudemire, Zach Randolph. Hop, je voulais mettre un peu plus près, pardon. Et du San Antonio, classique. George Gervin. Waouh! Numéro 28. Elles sont vraiment hyper quali ces cartes. Plus je les emmène, plus je les trouve vraiment qualitatives, belles, simples. Ça va pas chercher dans la fioriture. Et elles sont vraiment très sympas. Allez, on enchaîne. Bon, ben voilà, ça commence à tomber. Une Knicks, une Spurs. Bon, la classique pour Cleveland. Antoine Jamison, Kevin Durant, Gerald Wallace, une Quentin Richardson, un Blast from the Past, une classique, numéro 23, une Danilo Gallinari, après Devin Harris, Danny Granger, Indiana et David Lee. Deron Williams, une Tim Duncan, André Godala, ah, une classique encore, et c'est encore pour New York, Charles D. Smith, mais ça fait deux fois qu'elle tombe. Sauf que celle-là, c'est une timeless. C'est une timeless. Alors, on va reprendre la précédente, on va comparer comme ça, on va regarder. Hop, ça, on verra plus tard. Alors, allez, dans le deuxième paquet. On va comparer la numérotation. Elle doit être par là. C'est là où je mets plus la main dessus. Voilà. Ben voilà. C'est parfait. On va pouvoir comparer. On va pouvoir comparer. Donc, c'est parfait d'avoir les deux. Donc là, en fait, on a deux dans la série Légende. Donc la série Légende, si on prend le classement, ben, vous voyez qu'il y en a 40. Mais en fait, on a deux fois la même, sauf qu'en fait, la petite différence, c'est que celle-ci, c'est une Timeless Tribute. Donc en fait, celle-ci est numérotée jusqu'à 399, comme on peut le voir là. Et celle-ci, elle est numérotée jusqu'à 250. Donc forcément, elle est plus rare. Ah ben, c'est parfait. Pour l'instant, il y en a pas mal de Knicks, mais bon, ça va tourner. Alors, une Lu Holdeng, classique, une Josh Smith, une Rajon, une Al Jefferson, Bass to Pass, classique. Ça, elle tombe assez souvent, hein. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dans plusieurs lots différents. Je me suis toujours pas mal dans une collection, surtout que le fond est sympa. Une Lamar Odom, une Mo Williams. La série de cartes des Cavs dans cette collection est quand même assez incroyable. On a du Antoine Jamison, du Mo Williams, un truc un peu improbable, on s'attendait un peu à autre chose, mais bon. En 2010, c'était pas fameux l'équipe. Allez, on enchaîne. Une Chris Paul, Antoine Moreau, une Steve Nash. Tiens, Steve Nash, j'en fais penser. Alors, pour ceux qui aiment le basket, qui regardent pas mal de vidéos sur YouTube, à la vidéo d'hier de la First Team sur l'histoire de Phoenix et sur le meilleur joueur. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il était si fort lors de son retour.
Il y a 2-3 mixtapes qui sont passés où waouh, c'est assez une machine. Moi, j'ai du mal à le mettre top 1 parce qu'il défend pas, mais ça a été l'occasion de cette émission d'aller revoir un petit peu, de se replonger dans la bio et dans les vidéos de Steve Nash. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et on finit après par du classique là-dessus. Allez, on enchaîne. Alors, une Blake Griffin, une Brandon Jennings, Beasley et une Pels. Une Atlanta, excusez-moi, Pels. Ça y est, j'ai vu un oiseau tout de suite. C'est forcément une Pelicans. Une Joe Johnson, numéro 23. Dwight Howard, Billups, Nick Young et Tony Douglas. Du classique après. Alors, mais Joe Johnson, on enchaîne. Ah, bon, on va la mettre à la fin. Hop. On va d'abord passer les classiques. J'en vois pas de numéroté à chaque fois. Joakim Noah, Monta Ellis, Jamir Nelson. Et voilà, j'en connais un qui va être content. Une Knicks. C'est le Patrick. Patrick Ewing. Donc là, il y a forcément, hop, un bout du tissu. Waouh. Numéro 45. Ben voilà, une grosse carte encore qui tombe. Mais vraiment belle. Allez hop, on la met de côté et allez, on enchaîne. Une LeBron, une Ray Allen, une Dwight Howard, André Scott. C'est très bien ça. Dwight Howard. Jeune, tant qu'on part maintenant, sa plus grosse période, numéroté 208 sur 250. Et ensuite, on est sur des classiques, dont Brand, hop, Aldridge, Tyson Chandler, DeMar DeRozan et Pau Gasol. Alors. Marc Gasol, il y a du lourd qui arrive. Jeff Green, Jamal Crawford, AK-47, Andrei Kirilenko, et derrière une Mavs, Josh Howard. Pareil, hop, un petit insert là. Numéro 166 sur 199. Une Arona Fallot, une Danny Gallery, et après du Kevin Martin, du classique. Hop, on va éviter que ça tombe trop. J'ai oublié d'en enlever la moitié, donc tout est mélangé, c'est pas grave. Je vous enverrai dans tous les cas les photos à la fin. Je ferai un petit récap en photo. Allez, on continue. Manu. Brook Lopez. Chris Kaman. Kevin Martin. Bon, et après, c'est un peu redondant. Danny Granger. Danny. Ah, bah tiens, sur ça là, il n'y a rien de spécial. Wesley Matthews, Eldo Turkoglu. Ah bah pardon, je l'ai zappé. Elle est là. C'est une tribute. Kevin Martin. 210 sur 250 pour les Rockets. Allez, on enchaîne. Charles Villanueva, Néné, Eric Dampierre, une Jazz, Gordon Hayward, sa première saison, ouais c'est ça, une signature, ouais, vraiment sympa, une Brandon Roy, Dirk, Derek Fisher et Gigi Hickson. Allez, on continue. Hop, tac.
Raymond Felton, le hamster, Mike Conley, sans cheveux, Carlos Boozer, Stephen Curry, Karl Landry, Boris, Al Jefferson et George Hill. Je crois que ben, il doit être encore un dress code. Une deuxième. Une Caron Butler. Cini Wims. Une Dwight classique à l'intérieur. Ah, c'est la totale Dwight sur ce paquet-là. Et une chance Billups. On vient de finir la première box, donc on va un peu récap. Donc on a eu la dress code, on a eu la signature, de la timeless, on a eu pas mal de beaux inserts avec la membership de Patrick Ewing et la timeless de Charles Smith. Hop, tac, on va la reprendre, elle est là. Pas de Kobe dans celle-ci. D'habitude, j'ai toujours une Kobe qui sort un peu au moins en dress code. Je sais que là, dans les deux premières boxes qui étaient, que j'ai ouvertes, qui étaient pour moi en fait, il y avait eu des Kobe en dress code à chaque fois. Et pas de Kobe dans celle-là. Allez, on va ouvrir la deuxième boîte. Alors, allez, on va attaquer directement. On va tout commencer par le fond ce coup-ci. Channing Frye, Villanueva. Ah, oui! Alors, on va la laisser à la fin. Je passe les classiques, c'est vraiment pour faire style, on va gagner du temps. Ah bah tiens. Une Dennis. Mayo Spurs. Waouh, c'est une significante. C'est la numéro 10. Donc vous voyez que celle-ci, c'est une 18 sur 49. C'est vraiment une série où ils n'en ont pas fait beaucoup. Waouh, bah, c'est la première bah, des 4 box. C'est la première fois que je tombe sur une. Je m'approche, pas trop pour pas que ce soit flou. Waouh, bah, il y a vraiment un petit chanceux. Elle est vraiment vraiment belle. Ah, Dennis, la saison avant qu'il rejoigne Jojo et qu'il aille chercher ses 3 titres pour lui en faire 5 au total. Allez, on continue. Premier paquet qui nous a gâtés. Alors, du Stephen Curry, Paul Pierce, Bellinelli, Abba James, c'est les LeBron, voilà. Miami. Ouais, c'est LeBron maillot du 8, pardon. C'est ça, c'est quand il retourne à Cleveland la première fois, la numéro 4. Classic Moments. Ben voilà, ça tombe bien pour l'instant dans ce paquet-là. Et après, les classiques, donc je vais pas vous refaire le tour à chaque fois sur les classiques. On commence à les connaître. Allez, on prend un paquet un peu épais. Qu'est-ce qui nous attend de beau? Après... Les deux premières belles cartes. Ah, on a l'adresse code. Alors, Carmelo, Chris Bosh, voilà. Une néné, maillot Denver. Pareil, classique, adresse code simple, numéro 3. Et ensuite, hop, on est sur la classique. Allez, on continue. Une Marc Gasol, hop, elles sont dans tous les sens, Jeff Green. Et une Denver encore, David Thompson, Danny Cell.
une Brandon Roy, une Dirk, une Derek. Et ensuite, le joueur que je ne nomme plus pour Cleveland, tellement je suis dépité à chaque fois que je le vois. Alors, une Vince. Ah, une Andrew Bogut, Timeless. Ah, 74e sur 250. Et je pense que dans ce paquet, ça sera tout après les classiques. Une New York encore. Ouais, Nate Robinson. Pardon, j'étais un peu haut. Hop, une Nate Robinson. Numéro 4. Carte bien sympa. Et ensuite, les classiques. Je vérifie. Pas de tribute. Hop. Allez. Bon, pour l'instant, pas de Boston. Pas de Lakers. J'espère que ça va tomber, que ça va arriver. Allez. Rookie card. Dominique Jones, Dallas. Et ensuite, on est sur des classiques. Je lui remonte quand même, on va un peu s'attarder sur Boris. Pour vous montrer quand même la qualité des cartes, la qualité de la photo. Donc le numéro, le poste, l'équipe, voilà, le logo classique en bas. Et derrière, toujours un petit peu de texte, la taille, bien sûr, l'année de draft. Et les stats. Donc là, on a les stats Boris aux Suns et aux Bobcats, avec le mix de la saison où il est trade. Que je crois, ouais, c'est ça. Il joue un peu sur les deux franchises. Donc, voilà. Allez, on continue. Voilà. On parle de Boris, ça s'appelle Boris. En tout cas, déjà la première, c'est Boris. Donc une Rajon, Chris Paul, Steve Nash, Derek Fisher, JJ Hickson, Karl Landry et Boris. Il y a toujours un paquet où il y a que des classiques dedans, il n'y a rien de spécial. C'était celui-là. Allez, on continue. Russell Westbrook pour commencer, de dos. Kevin Love, Chris Bosh. Okay, Chris Bosh, Dwayne Wade. Elton Brown, Jordan, Andrew Bogut, Russell Westbrook. Ah bah, faut jamais dire jamais, c'est le deuxième d'affilée où on est sur de la classique. Ok. Allez, on passe au suivant. Vous voyez l'état, ça fait quand même pas mal de cartes à se partager. Donc c'est pour ça. Je vais vous faire l'état et après on verra comment ça s'entendra pour les doubles ou pour voir sur les sur voir si je peux pas compléter sur les séries que j'ai eu moi dans mes paquets. Bon, ok. Ok, bah c'est le troisième paquet d'affilée, d'accord. Ok, ils nous ont bien nourri au départ, la signature, et puis maintenant, ils nous disent, tiens, imaginez quand vous les achetez en magasin, en l'unité, en paquet unique, surtout quand vous voyez maintenant les prix sur Internet, des fois, sur les sites américains, où c'est vendu 20 balles, 15-20 balles, juste un paquet, et vous tombez sur un paquet où il n'y a que des classiques comme ça. Vous êtes quand même un peu dégoûté. Ah, une Kobe, la classique de la série. Ah ben ça sera de la membership dans celle-là. Et ça sera Dallas. Sean Marion, pardon. Ah, pareil, membership. Maillot de Dallas. C'est la 141e. Hop. Et après, on est sur des classiques.
Ok. Un paquet de classiques, j'en profite pour vous montrer le dos de toutes. Ah, quand même. Quand même. Ça m'étonnait qu'on en ait tant. On va quand même reprendre le paquet précédent. On va quand même refaire un switch. On sait jamais. Peut-être qu'il y en a une qui est passée à l'as sur le coup. Ah, je les recheckerai. On a quand même eu Stephen Jackson. Timeless Tribute. Maillot des Bobcats. Allez, on continue. Une Ricky Green, j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Hop, Ricky Green, légende. Jazz. Et ensuite, on est sur des classiques. Allez, qui va nous tomber d'ici la fin? C'est encore quelques paquets. Hugo, Blake Griffin, Jennings, une classique. Eh ben Bill Russell, Celtic. Très bien, d'habitude il tombe souvent du Bird. Il y a beaucoup de Bird dans cette série. Ça fait du bien de voir un peu du Bilou. Ensuite, de la classique. Hop. On check qu'il n'y a pas de timelines. On est bon. Une petite Bill Russell. Le Celtic n'était pas encore tombé en carte spéciale. Ce serait bien d'avoir une petite boule d'ici la fin.